C'est à Varennes-Vauzelle que l'on retrouve l'une des entreprises lauréates 2016. Derrière cette imprimerie, c'est en réalité toute une famille qui est honorée. Retour sur cette aventure qui a démarré en 1961. Inner Group Impression, c'est avant tout une affaire de famille. Et je vous présente la famille Hospital avec le père. Jean-Paul, bonjour. La mère. Bernadette. Le fils. Jean-Marie. Et la fille, Catherine. Inner Group, c'est une imprimerie de labeur, c'est-à-dire qu'on imprime avec un procédé d'impression qu'on appelle complexe et on imprime ce qu'on appelle du feuille à feuille. On a des clients locaux, mais on a également des clients nationaux, notamment basés sur la région parisienne. On travaille avec toutes les entreprises, les administrations, les collectivités, les associations. Aujourd'hui, on est capable de produire des très petites séries. On peut proposer de l'impression en particulier à des prix très attractifs, comme ce qu'on peut trouver sur Internet. On a investi dans une presse numérique en janvier 2015, mais également dans tout système de façonnage qui va derrière, c'est-à-dire de la découpe de cartes et une machine qui nous permet de faire de la brochure en petite série, de sortir des brochures directement piquées, agrafées, coupées. Nous allons investir dans un nouvel équipement. C'est une machine qui permet d'imprimer du grand format, que ce soit aussi bien sur support papier que support rigide, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des panneaux, mais aussi de la vitrophanie ou des affiches abribus. Notre valeur ajoutée, c'est de proposer un panel de produits très large, de la petite série, moyenne série, même grande série dans certains cas, pour tout support de communication, tout support papier, que ce soit de la papeterie, de l'affiche, mais aussi beaucoup de dépliants et beaucoup de brochures. Ces dernières années, nous avons effectué beaucoup d'investissements, bien sûr, qui ont été soutenus et effectués en partenariat avec nos partenaires financiers, dont bien sûr la Banque Populaire, qui a toujours été à nos côtés et qui continue de nous soutenir au jour le jour. Ces lauréats étaient présentés par l'équipe du Centre d'affaires entreprises de la Nièvre. À son tour de faire bonne impression avec la question du lauréat. Alors Thierry, maintenant que vous avez bien torturé ma fille avec vos questions, à moi de vous en poser une. Quel terme emploie-t-on pour désigner un papier à support fermé, à surface très lisse, qui peut être brillant, mat ou satin? Je vais vous faire trois propositions. Ah, merci. Est-ce du papier debout, du papier assis ou du papier couché? Je dirais papier couché. Ah. Il est très fort. Bravo. Il est très fort. Merci.